Il faut allumer le four, Hugo. Ah bah c'est fou. Allume. Non mais allez, c'est pas fou. Apparemment c'est complet ce soir. C'est complet ce soir. Ah bah oui, c'est tout couvert. On prend les réservations maintenant. Je dis pas bonjour. Et attends, il manque pas Marc et François là. Si, ils sont où là? Ils sont où, Marc? Bah tu devais... C'est pas Martin, tu devais les appeler. Parce que c'est Marc. Ah non, ils peuvent pas ce soir. Comment ça? Non, Marc et François viennent pas. Martin, on va être assez là, non, Martin. S'il vous plaît. Je suis désolé, mais je suis pour rien, c'est eux. Ils ne sont pour rien, bien sûr, c'est pour quelque chose, fallait nous prévenir. Ah oui. Bon, il faut une solution. De toute façon, c'est le cas, il faut une solution. Bah, il nous manque au moins deux staff. J'ai bien mes cousins, mais... Les cousins, ça? Ouais. Bon, je prends les cousins. Et bah va chercher tes cousins. Ok, cool. Ils sont bien, tes cousins. Ils sont super. Ils ont d'expérience dans la restauration? Oui. N'en demandons pas trop, hein. Même temps, ça fait la serre, hein. Les cousins. Vous allez voir, ils sont hyper sympas. Okay. C'est une super équipe. Ah bah, on n'en doute pas, mais... Yes. Wouhou. Ils ont quel âge, tes cousins, là? Non, mais alors, ils sont top, hein. Je veux dire, depuis qu'ils sont petits, ils font la vaisselle. On la bouffe à la maison et en plus, on n'a même pas besoin de leur donner d'argent. Mais moi je suis pas complice, ils sont mineurs. Ah mais le côté financier c'est intéressant. Ah oui, non, c'est pas mal, ouais. Ouais, ils ont l'air bien, ouais. Tombez pas dans le four, quoi, les gosses, ok? Mais okay. Attends, on n'a pas le choix, les gars. Bon, allez, très bien. Bon. Bon, ben. Oh, on a pas le choix. C'est l'heure là, 19h, les gars. Putain, on allez. Ouvre. C'est le moment d'ouvrir. Okay, c'est parti. Allez, lourd. Ouais. Ça vient pas. Non. Allez, portez. À 3. 1, 2, 3. L'orientale, c'est à la manière d'un conte de Mille et une nuits. Qui est le héros de ces contes? Un garçon, une fille, un monstre, un animal, un italien? Un personnage qu'on ne connaît pas, non? Bon, ok, bah, Aladdin est revenu deux fois. Donc le petit héros de cette histoire s'appelle Aladdin. Okay, et il a un rêve, Aladdin. C'est quoi son rêve là? Il veut voler, non, un rêve. Un grand rêve. Il veut devenir cosmonaute. Il veut apprendre à voler, Aladdin. Pour chercher une princesse. Ah, nous avons des romantiques dans la salle. Ah, si je ne connaissais pas aussi bien votre mari. Hein. Bon, ok, vous êtes prêts, les amis? Une orientale, d'accord? À la manière d'un conte de Mille et une nuits. Le héros s'appelle Aladdin, c'est un petit garçon. Et il rêve de voler pour aller trouver sa belle et douce à l'autre bout du monde. Vous êtes prêts à jouer ça, les amis? Vous avez un compteur, c'est bon? Vous avez un compteur? Aïe, 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 porque miseria! Il faudra l'improviser. Et les publics, j'ai besoin de vous pour les contare burdo, ça se dit en italiano, c'est 3, 2, 1, impro, d'accord? Tu savez quoi? 3, 2, 1, impro!
Le petit Aladin était maladroit. Excessivement maladroit. Il était convaincu que ça faisait son charme. Il avait toujours eu les égards de son entourage pour cette maladresse. L'attendrissement de sa mère, les yeux doux de ses professeurs. Aladin avait énormément de qualités. Mais un jour, alors qu'il allait comme d'habitude à l'école, il se trouva face à une girafe. Jamais il n'avait vu un animal aussi étrange. Il n'y en avait pas une, mais deux girafes. Aladin dit que tu es. Mais merci, jeune garçon. Vous êtes fort aimable de me traiter de belle. De quelle surprise tu secouais Aladin, une girafe bleue qui parle. Et elles se mirent à danser sur de la musique arabe, à secouer les hanches. La plus grande des girafes était très sexy. Ma, ces belles girafes. Aladin était tout émoustillé. Quand tout à coup, une femme passa devant lui. C'était la princesse. La princesse Mira. Il l'a reconnue. Il vit tout de suite ses yeux bleus. Ils entamèrent une danse du regard. Quand un garde arriva et attrapa Aladin. Car la princesse pupille de son père aimant était défendue d'approcher les hommes, car réservé pour le sultan. Princesse, le sultan vous attend. J'ai pas envie d'aller. La princesse ne faisait qu'à sa tête. Quelle peste. Mais elle dut y aller. Princesse, en route. Elle s'en alla à dos de sa girafe bleue. Aladin était détruit. Il ne savait pas comment faire. Et en marchant au niveau du marché du souk, un petit homme ayant vu toute la scène se dérouler lui proposa un marché. Un marché douteux. Vois-tu cette lampe? C'est une plus belle langue, c'est une plus belle langue. Seulement 9 roupies. Désolée, elle est déjà vendue, madame. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire 8 roupies, j'aurais dû faire 8. Aladin ne se doutait pas que ce plan était douteux, que cette lampe avait quelque chose de magique. Aussitôt la lampe frottée, le double génie de la vie a été guéri de notre stupère. Pareil. Les deux génies étaient souvent d'accord. Mais pas tout le temps. Alors Aladin demanda l'impensable. Pardon, j'ai pas entendu.
d'accord cette fois. Le sultan ne veut pas. C'est lui qui nous a enfermés dans la lampe. Alors, si on veut pas retourner dans la lampe, elle peut pas épouser la princesse. Est-ce que tu voudrais pas nous épouser, nous, à la place, hein? Non, mais je voudrais vous savoir si vous épousez la princesse, c'est moi qui fais. Vous restez, vous êtes plus jolie, quoi. Vous restez en dehors de la lampe. Mais c'est moi, sultan. Ah ouais. Les génies étaient séduits par l'idée du jeune Aladdin. Je suis séduit par l'idée de ce jeune homme. Pareil. Garde. Oui, sultan. Où est mon épouse? Elle est partie au marché. J'espère qu'elle arrivera tout peu. C'est ainsi qu'elle arriva. J'ai dépensé tout votre or. Mais j'ai des bagouses. Le sultan adorait l'or, surtout sur les doigts de la belle. Vous avez bien fait. C'était exactement le but de cette dépense d'argent. Et ce qu'il aimait le plus, c'était de sucer les doigts de la belle. Et depuis cette rencontre, elle ne pensait qu'à ce petit Aladdin. Et au dilemme de cette génie. C'est elle ? Ouais, c'est elle. Non, 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 ça fait peur. Vous allez épouser cet homme. Oui. Et il deviendra le sultan. Le génie ne savait pas ce que c'était que le consentement. Aladdin lui mit une rouste. Ah, je viens d'apprendre ce que c'était que le consentement. Monsieur génie. La princesse était séduite par le féminisme d'Aladdin. Ils s'enlacèrent. Fraternellement. Oh. Ils aiment citer aussi, c'est cool. Qui cherche désespérément. Il y a une lumière dans ton tablier. Ah là, ah, merci. Ah oui, 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 tiens. Ok, c'est quel temps? Une heure, 15 ans. La pizza. Capito? Che? Dai, non capisci, è la volta di no, capisci, molto forte, no? La pizza, ah, 500! 500! Alla 500! Alla 500 se una improvvisazione si passa da un petit espace, d'accord? E... Et on voulait vous demander ce que c'était cet espace. Où est-ce qu'on se trouve? On est un tout petit endroit. Cabine d'ascenseur. Un ascenseur. Un placard. Un pardon? Le placard. Un placard. Toilette. Un igloo. Un igloo. Un igloo. Ok. Une piscine. Un placard de quoi?
Balayer, je te rappelle que c'est ton tour. Ouais. C'est pas mon tour. C'est ton tour. Non. C'est écrit sur le planning derrière toi. Ouais, alors, regarde, retourne-toi. Le planning, il y a toujours écrit mon prénom dessus. C'est écrit là, regarde. Ouais, attends, 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 attends. Ah, c'est chaud. Alors, moi j'aimerais bien qu'on investisse l'espace différemment parce que j'ai tous les balais dans le. Et vous, vous avez les balayettes. Balayette, bah, toi, t'aimes bien, toi. Ça fait 5 heures qu'on est dans le placard et c'est seulement maintenant que tu nous le dis. Je ne comprenais pas les petits cris au début. Est-ce que vous avez vu une boîte? Oui. Ou une bouteille? Moi j'ai une boîte. Ah, là, bah, je veux bien, tu vois, comme ça je peux en faire. Oh, non, 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 quelqu'un qui arrive. What? Attends. J'arrive pas à l'atteindre. Il y a un truc chaud qui me coule dans la nuque. Non, c'est pas toi, là. Non. Ah, l'odeur. Non, merde, tu me fiches dessus. Non, mais attends, non. Vous avez pas des serviettes? Pourquoi t'as mangé des asperges? C'est toi qui as préparé la pizza, je te rappelle. Vas-y, je préférais les balais. Oh, oui. Oh, pardon Dieu. Eh oh, il y a des enfants dans ce placard, là. Il fait chaud, il fait chaud. Qui c'est qui a la clé, au fait? Moi, j'ai été bien trompée, là. Je l'ai perdue. Non. Tu veux une serviette? T'as perdu la clé. Attendez, on est coincé dans ce placard? Avec cette odeur d'asperge? Pourquoi on l'a fermé depuis déjà, le placard? C'est pour pas qu'il nous trouve. Attendez, comment on l'a fermé si on n'a pas la clé? Et qu'on est à l'intérieur. Ah, quelqu'un avait la clé. Ou alors quelqu'un a encore la clé, mais il veut pas nous dire qu'il cherche la clé. Ah. T'as dû la mettre quelque part, gars. Ah, excuse-moi, mais je crois qu'elle est cachée là. Oh là, oh là là, attention. Entre les balais et les... Oh là, je suis pas là. Non, 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 non. Hop, 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 hop. Doucement. Alors, si chacun peut plutôt chercher dans ses propres poches que de chercher dans les poches de son voisin. Tiens, toi, va. J'ai trouvé un terrain, il y a des toiles d'araignée. Ah ouais, c'est vraiment faire des ménages. Attends, quelque chose. Une barrette. Bah tiens, bah ouvre, ouvre la porte avec ça. Vous savez, c'est vraiment chouette ce moment cohésion. J'adore ça. Ah ouais. Ouais, c'est Golden Depuis Shower. Depuis 10 ans. Depuis le temps que je le demandais. Et là, on est tous ensemble dans ce petit placard. C'est ouvert. Oh, bravo. Oh. Dans cette pizza-là, je vais vous demander de mettre quelque chose d'assez anormal pour une pizza. Tu sens vraiment au centre de la pizza. Un tractopelle. Les tractopelles. Ma, vous avez dit vous, messieurs, la tractopelle, c'est excellent dans la pizza. C'est grandiose. Il est vache, une pizza. Il est cinta. Avec une tractopelle au milieu. Expliquez peut-être au public, on va commencer par vous confectionner une pizza qui sera bella, 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 bella. Enrica. Si. Après, on va vous faire une deuxième pizza, comme la première, mais elle sera moins bella, moins bella, moins bella. Et puis, finalement, on vous fera une troisième pizza, la même que les deux premières, mais elle sera vraiment pas bella du tout. Avec pas beaucoup de sous. Avec vraiment pas beaucoup de les sous et les ingrédients.
Et je vais vous demander, vous êtes prêts là, les cousins? Si, 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 si. Je vous demande de compter avec moi. De 3, 2, 1, illumination. Ok Mike, je suis en position au sommet de la grue, c'est bon, tu vas pouvoir descendre avec le turbopack pour aller sur le toit de la banque. Prêt à te poser? Mike? Ouais. Mike, c'est bon, t'es là? T'as mis l'exosquelette? Ouais. Ok, prêt à sauter? Ok, vas-y. C'est bon, vas-y, saute! Saute Mike, vas-y, c'est le moment! Les rétrofusés, vas-y, pose-toi en douceur! Attends, c'est bon ça! Je fais quoi maintenant? Fais un trou avec ton laser! Tu sais bien, si tu fais un trou dans le toit avec ton laser à dégradation mandibulaire et tu devrais tomber juste dans les sanitaires, et la porte d'à côté, il y a le bureau où tu trouveras cette andouille de directeur. C'est sûr qu'on ne tombe pas dans la piscine. La porte.
Alors, regarde, c'est peut-être ouvert sinon. Ah, ah ouais, super. Regarde. Au revoir. À demain. Eh ben voilà, tu es. Est-ce que c'est normal le petit précipice là? C'est de l'eau, c'est le lavabo, c'est juste pour que ça vide. Ok, merci. Est-ce que c'est un bon que j'ai trop de faim de chocolat? Et tocard? Monsieur, c'est tocard? On se connaît, non? Non. Moi, je vous ai déjà vu sur un volcan. Et il me semble bien que ça soit celui-là. Je t'ai dit que quand il y avait mon patron derrière, on devait faire un semblant qu'on se connaissait pas. Mais comment je peux faire semblant que je te connais pas? Excusez-moi, ma petite Marilyn, y a un problème? Frites coquins? Potatoes Sprite, s'il vous plaît, madame. Dans une pizzeria. Un McDonald's. Pizzeria. Eh bien, j'aime bien mettre du Sprite sur ma pizza, je ne vois pas le problème. Il vous a importuné? Non, pas le moins du monde, je ne le connais même pas. Ah non, je ne la connais pas non plus. Mais je n'ai pas entendu ce que vous avez dit non plus. Vous n'avez pas du travail à l'arrière, loin? Je dois passer ma commande. Eh ben, Marilyn est là. Vous oui. avez un problème, monsieur? Non, je reviendrai plus tard. Je pense qu'on peut passer au règlement. Ah oui, c'est comme ça. Qu'on je vous laisse encaisser, Marilyn. Non, mais je vais pas te payer quand même. Écoute, je t'ai mis quelques petites sens en plus. Rejoins-moi dans 5 minutes. Trop mal. Attendez, monsieur. Dans la piscine à boules! Là, du parcageux! C'est compliqué. Non, mais écoute-moi. Mais oh, oh! Bon, alors, Marilyn, ma petite chérie. Salut, patron. J'ai un peu eu l'impression que ce. Ce gros lourdeau. Ouais, on est d'accord. Hein. Carrément. Bon. On dîne toujours ensemble ce soir, hein, chérie. Toujours, patron, toujours. Ouais. Tu peux m'appeler chérie, hein. Patron, c'est quand il y a les clients. Impeccable. Mmh. Ça marche. Oh, Marilyn, tu es enfin là. Je n'y vois rien dans cette piscine à boules. Laisse-moi t'embrasser. Oh, mais... Oh, mais ta voix est donc si grave. C'est le trouble de me retrouver. Oh, Marilyn. Oh. Il m'arrivait un de ces trucs, j'étais dans la piscine à boules, je faisais des longueurs, tu vois, et là, je sais pas, il y a un truc qui m'a saisi, il était très intense. Très intense? Je crois que je suis amoureux. Je suis terriblement amoureux. Oh, Marilyn, ces instants passés dans la piscine à boules étaient vraiment incroyables. C'est vrai que par le passé, on s'est donné à quelques activités dans la piscine à boules assez agréables. Ah mais non, mais je ne te parle pas du passé, je te parle de ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui. Ah, oui, Marilyn. Ah, oh, c'était magnifique. Je n'ai même plus faim, je ne désire plus de pizza, Sprite ou potatoes ou frites ou quoi. Je retourne dans la piscine à boules et je sais où me trouver. Bien sûr. Je retourne dans la piscine à boules. Aujourd'hui. J'ai trop envie de revivre ça. Tiens, si j'allais dans la piscine à boules. Ah, Marilyn, tu étais donc si anxieuse de... Marilyn? J'aime que tu m'appelles Marilyn. 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 Oh là là, à deux. Quand... Oh, oh, bah, oh, oh, oh. Eh ben, c'est du beau tout ça. Les pizzas, on se fait tout seul quoi? Non, ça va, on travaille. Exposé. Quelqu'un, un film. Trois mousquetaires. Bienvenue chez les ch'tis. Trois mousquetaires. Chez les ch'tis.
l'ambiance lourde. Ouais. Uno. Libro. Eh ben, lumière où la où la lumière. Oh. Eh ben. La 205 GTI, là. Brian, viens voir. T'as vu, j'ai mis les nez en dessous. Bon. Eh ben là. Je te réponds un peu trop chéri le truc, là, t'as vu. Bah, sur arrière, si tu traînes un peu trop comme ça sur Villebrequin, eh ben, il y a le gros risque de calaminateur et il chote dans la percussion. Ah, non, il n'y a pas de risque, fais-moi avec mon cousin Kevin. Ok, je te dis que c'est bon, ouais, je vois. Ah, tu vas faire un temps. C'est fou que j'ai de lumière chez toi, ouais, ça merde. Ah, c'est stroboscope. Ça allume, son dingue. Ah, c'est pas exprès, c'est pas exprès. C'est plat poignet, c'est pas exprès. Comme la Macumba. Rentre dedans, tiens. Eh, ils sont un peu, c'est un peu mouillé, mais. Sinon, ça essayait pas. Ah, c'est beau. Ok. Non, ça c'est. Le temps au vent, regarde. Patrick, oh. Ah, tu t'es assis, c'est dommage pour toi, t'as plus fait sans paix. Alors, cherche pas de comment j'ai fini d'habiter nos soirées, hein. Tu te rappelles à Macumba hier soir? Pas trop envie qu'on apporte. Et c'est quoi ce bruit dans ton coffre? C'est mon petit frère. Je vois là. Allez, vois. Jonathan, si tu continues de taper sur ce coffre, je descends dans ma lignale et je t'attache en laisse et je te tire sur 14 km jusqu'à Dakar. Vous avez une bonne relation avec ton frère, hein, c'est chopin, hein. On s'aime comme que je pisse. Bah, ça rigole, tout ça, hein. Ah, attends, je vais le chercher quand même, parce qu'il me fait un peu d'appel, j'ai pas donné ses croquettes. Ah bah, j'ai pas rendu la voiture. Eh bien, Jonathan. On va faire les courses chez Mousquetaire. On va faire la course chez Mousquetaire. On va faire la course chez Mousquetaire. C'est mieux que Leclerc. Allez, promote, t'achètes 25 kilos de patates dans 5 kilos de patates offertes. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec 25 kilos de patates? Eh ben, je vais les manger. Mais tu vas devenir gros, tu manges 25 kilos de patates. Hein? Pourquoi on crie comme ça, là? C'est ça que je me demande aussi, ouais. Parce que plus on crie comme ça, plus j'ai envie de parler de ce qui s'est passé hier soir. C'est un sonore, il n'y a pas trop de temps, c'est pour ça. Ce qui s'est passé hier soir. Oui. Ok, c'est pas hier soir. Arrêtez-vous, monsieur. Oh, merde. Avez-vous vu cet homme? Il a kidnappé mon fils. C'est pas papa. C'est ton père. C'est toi, toi. C'est notre père. On te connaît pas. Non, on te connaît pas, c'est pas notre père. Mais si, c'est son père. Non, c'est pas notre père. Mon père. Ça c'est un Belge, c'est sûr. Ouais, c'est un Belge, ça c'est pas parce qu'il est tout nu sur la photo que c'est un Belge, c'est ton père. Je le reconnais. Il était comme ça hier au Macumba là, avant que ça. Ouais, peut-être pas qu'on connaît parce que qu'est-ce que t'as à nous dire? Peut-être comme qui dira, il serait un petit peu notre géniteur. Nous avons monté la prime sur lui. Ah. Oh. Bon, à combien? À combien? À combien? 400 000. Ouais, 500 000. 500 000. Non, 400 000, c'est bien, mais les mousquetaires, on va te faire un an avec ça. Vas-y, 500 000 mousquetaires. On pourra acheter PQ, triple PC. Non, on change les jantes. Oh mec, on va changer les jantes. Ok, papa. Monte, on va le chercher. Il est pas dans le coffre? Mais si, t'es dans le coffre. Allez, cherchez, dans le coffre. On va le chercher. Attends, prends les clés, parce que ça va te fermer. Fais gaffe, il mord, hein. Il doit t'énerver. Les effets du médicament. Hey, les enfants là. Hey, papa, ça va? On va y aller, ma fille. Alors, papa, c'est le jour d'héritage. Hein? C'est le jour d'héritage. Hein? C'est le jour d'héritage. Papa, hein? Papa, c'est le jour d'héritage. Papa, tu peux t'habiller là-bas? Ah oui. T'as ton survêtement à l'arrière, là, ton jogging. Si tu mets la suite du harcèlement, ça. Je suis dans mon jogging. Bien, monsieur, il va t'emmener faire un tour. On va choisir un pas, atterri, le visiteur région, le musée de l'OMI, tout ça. Oh. Attends, tu sors, ouais. Voiture, papa, tu sais, ouais, monsieur, là. Bonjour, jeune homme. Voilà. Merci, monsieur. Oh, 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 oh.
Vous avez encore faim? Plaisir. Il pleut plus. Il pleut plus. Peut-être qu'on va retourner sur la terrasse. Ah, il nous aime bien là. Vous aimez, vous préférez là? Vous aimez bien les postillons plein dans le visage? Ok, c'est parfait. Et qu'on joue dans les noirs, c'est bien les noirs. Petit problème électrique. Allumez tous vos téléphones. Ça va revenir, hein. On a... c'est pas grave. Ok, Martino. Ramenez-nous une pizza. Pourquoi il n'y a pas la lumière? Parce que je crois qu'il n'a pas payé l'électricité. Tu sais, il a piraté avec chez les voisins. Mais du coup, les voisins, quand il éteint son climatisation, bah, ça éteint la lumière. Oui. Est-ce la Carpaccio qui a élegido la mujer? La Carpaccio est en espagnol, mujer. La femme, elle a choisi la Carpaccio. Ok, salut, on doit tous mourir à la fin. La Carpaccio, c'est une improvisation où il y a beaucoup de sangre. Ah, de violence et de la lumière. C'est ça, c'est à la manière d'un film d'horreur. Okay? On va pouvoir tuer des chiens, des petits enfants. Ça va être sanglant. Eh ben quoi, on fait quoi là? Et ça va. Impro. Ok, pardon. Ah, mon signale. 3, 2, 1, impro. Je t'assure, il n'y a aucun risque. Il y a plein d'enfants qui y sont allés, aucun n'est revenu pour dire que ça s'était mal passé. Je te fais confiance alors. Bah, tu peux, tu vas voir, pareil dedans, c'est incroyable. C'est mon arrière-grand-mère qui m'a dit ça. Elle y habitait à l'époque. Elle m'a même donné la clé. Celle qui a fini en prison? Merde, j'ai pas ouvert la porte, elle s'est ouverte toute seule. Ça doit être un courant d'air, c'est sûr. C'est toi qui as dit ça? J'ai un peu faim. Ok, j'ai peur. Sois le bienvenu. Attends, je crois que j'ai oublié un truc dans la voiture, j'arrive. Non, je vais rester finalement. La porte s'ouvre plus. Et que je te propose un truc. On va explorer la maison. Toi, tu pars par là et moi par là. Tu veux pas me faire l'amour d'abord? Si, ok, mais on n'attend pas la prochaine panne électrique plutôt. Non, mais y'a personne. Qui c'est qui pourrait bien nous surprendre ici? Moi, j'étais venu pour visiter la maison, mais là, tu me prends un peu de cours, mais ok, si tu veux. Ah mon Dieu! C'est horrible ce que je vois! Ah bah, demain alors. Un monstre pareil! Ça n'attend pas demain! Mais qu'est-ce que tu fais? On peut partir explorer la maison maintenant! C'est les 12 secondes les plus intenses de ma vie! Oh, moi ici! Ok, je vais par là, tu vas par là. Ok, on y va. Non, je te l'inverse. Ok, je vais par là. Plouc! 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 Fran, t'es là? Oui, je suis là. Franck? Je suis là. T'es où, Franck? Là. Juste là. Franck! Ah ah, mamie, qu'est-ce que tu fais là? Ah, excuse-moi, j'ai mis le feu à ta barbe. Attends. Mamie, mais... t'es là depuis combien de temps? Je suis là. Ah ah. Marouane, tu es plus là. J'ai encore envie de toi. Moi aussi j'ai envie de toi. T'as la main si douce. Et t'as des griffes vachement prononcées. Ah, ah. Il n'y a plus de lumière. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est toi, Marouane. C'est toi. C'est toi. Il ne fallait pas profaner la maison. Je sais pas ce que ça veut dire. Il ne fallait pas accoucher. Tu es mort, toi aussi. Ah, ah. Regarde derrière toi. Il y a un mur. Ah, oh, 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 oh.
là, il y avait un peu trop de sauce tomate. Je trouve, non? Il y a vu qu'il y avait un peu de piment aussi, hein? Il a essayé de me faire l'amour. Non, mais, hé, on fait pas ça entre comédiens. Il a commandé une bonne pizza. Madame. Une bonne pizza. De plus. Eh sì, però prima devi scegliere la pizza. Ma dire a me, mi sono tutta la campagna, mi sento le parole. Non vuoi dire, fammi un po' di più. Sì, Messica. Un pavarotti. Ma le desaffette, la pavarotti. Ah, la pavarotti. La pavarotti. Merci, grazie, grazie mille. Un Pavarotti. E la persona che ha scelto la Pavarotti? C'è la jeune fille. Merci jeune fille, brava. E chi va a nous parler peut-être de son meilleur ami. Chi è son meilleur ami? Elle. Son meilleur ami è una petite fille. Chi va au collège. Oui. E chi au collège, elle aime bien ça ou elle n'aime pas ça? Elle aime bien ça. Et la petite fille au collège qui aime bien ça. Et la Pavarotti, évidemment, elle est chantante, cette pizza. Elle est chantante. Vous aussi, vous voulez entendre l'orgue de gorge? Je me dirige vers mon école, j'ai un peu peur d'être en retard, parce que la maîtresse est folle, c'est encore un gros tracteur. Ah là, encore le boulet, je vais pouvoir lui voler son goûter. T'as ici mon petit gars, ou sinon je te la mets là. Non, non, vilain monsieur, tu n'auras pas le goûter. Pan, je vais te taper, et je vais ramasser. Les enfants, c'est pas bien. C'est lui qui m'a tapé le premier. On rentre pas le droit, c'est la police. C'est celui qui dit qui est. Une ambition, oui, c'est ce qu'il lui faut. Une ambition. Bien. Il est beau et il vient tous les jours en marchant. En marchant. Je crois que je l'aime. Elle croit qu'elle l'aime. Je crois que tu vas beaucoup l'aimer parce que tu es ma meilleure amie. On va le rencontrer. Tu vas me dire ce que t'en penses. Surtout dis-moi la vérité. Parce que ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle a déjà. Déjà accouché. Tu sais que tout le monde avait compris, il n'y avait pas besoin de dire. Je savais pas, moi j'avais pas compris. Où est ce beau garçon? Bien, j'ai l'impression qu'il est en retard. Je me suis fait attaquer par un gros mec barbu. Je lui ai dit, enculé, je vais te frapper dans le. Tu vois ce qui m'a touché, c'est son vocabulaire débridé. Mais j'ai gardé mon goûter. Tu seras fier de moi, je l'ai caché dans mon sous-bras. Le voilà pour toi, ce goûter que tu as tant désiré. Quelle romantique! Je sais, ça c'est tout moi. Et maintenant, est-ce qu'on peut s'embrasser? Pour
Sacrée misère, j'étais si près de conclure. On nous dit ça à chaque fois, et jamais. Eh ben toujours, il y a quelqu'un, il fait bing, 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 non? C'est pas normal. Oh, alors, mais qu'est-ce qu'il fait, ce coup-là? Mais qui c'est qui? Oui, mais ça, n'importe quoi. Comment? C'est comme les... Ah, on a des faits, non? Aïe, 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 Gabriel, tiens, des folies. Tiens, prends-le comme ça, et voilà. Alors, il y a les gens du fond, ils n'ont jamais la visite du pizzaiolo. Alors là, va. Tout le monde est à toi de manger. Alors, est-ce que vous aimez pour l'instant les pizzas, non? Oui. Ah, bien, bien, bien. Les premiers qui répondent non, ils sortent, ils jettent à la piscine. Ah, excusez-moi, oui, je Mathieu, vous ne voulez pas vous remettre là-bas? La pâte picanard. Là, pardon? La série du pape, silencieuse et feutré, que ça veut dire feutré, tu te souviens? C'est que ça veut dire, non? Feutré. Ouais, tu sais ce que ça veut dire feutré. La Vaticana. La Vaticana, ok. C'est improvisation sans parole, silencieuse, sans embrouille. Et il faut vous la livrer où cette pizza? Bah là. Dans un endroit où, dans le monde? En Italie. En Bretagne. Ok, c'est parti sans embrouille en Bretagne. Et ça démarre dans 3, 2, 1, impro. Ça c'est pas sous là. Allez, les plein d'idées là. Dans un laboratoire secret en Antarctique. Un laboratoire secret en Antarctique, d'accord?
ok? Laboratoire secret in Antartica, ok? Sì. E sa de mare da 3, 2, 1 e più! Vous êtes sûr qu'au nom de la recherche, on pourrait pas mettre un peu de chauffage? Hop, 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 hop! Et le bilan carbone alors? Non mais faites pas genre, on se les pèle les mecs, on est à l'intérieur là. C'est moins 15 dehors. Bien plus, moins 40 dehors. Ouais, c'est moins 12 à l'intérieur quand même. Vous voyez bien, professeur? Oui, je vois bien. C'est gentil de vous en inquiéter. Enfin, les échantillons, j'ai fait tout ce que j'ai pu, hein. Oh, vous avez fait si bien. J'ai fait une découverte. Ça y est, je l'ai trouvé. Oh non, c'est vrai. Le virus. Un virus? Attention. Enfin, ceci dit, professeur, moi aussi, par rapport à mes échantillons... Moi aussi, je peux voir, professeur. Montrez-lui. Ça va. Non, 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 faut pas trop se périr. Bon, je le mets dans les échantillons, et puis on analysera sa pute. C'est lequel? Mon dieu, c'est lequel? Je vais tester celui-là. C'est un mauvais goût. C'est bon, ça l'est bon. Si c'est un mauvais goût, ça l'est bon. C'est le typhus. Mauvais goût, c'est le typhus, c'est sûr. Ça a un peu un goût d'asperge. Asperge, c'est le typhus. Non, c'est... Bah, il va mourir maintenant, c'est malin. Oui, bah, écartez-vous de lui. Bah... Oui, c'est très contagieux. On avait l'antidote. Et bah voilà, hein? Non, c'est pas l'antidote! Ouais. Oh mince. Et bah voilà, bah. Le cyanure. Les antibiotiques, bah oui. Ça marche pas toujours, hein? Mais je vous avais dit de mettre une étiquette sur le cyanure! C'est évident! Parlons en un mot, les gars. Bon. Hein? Bah, débarrassez-nous au moins de lui! Mais ça vous choque pas! On vient de perdre un de nos collègues et vous, ça vous choque pas! C'est pour la science! Non mais pour la science, non mais! Mais quelle chouchotte! Mais pourquoi toi ici? Enfin, t'as pas fait la prépa? On est dans des conditions un petit peu. Là, tu fais une carotte? Il faut augmenter le chauffage, il faut pas que les collègues meurent. T'es vraiment une loupette, hein? Alors en 2023, on dit plus trop loupette. Tu peux pas avoir de problème. T'es vraiment un pédé. Elle est dure ta carotte? Ah oui. Ça, on le dit pas en 2023, tu vois, par exemple. C'est beau l'innocence des stagiaires. Tiens, c'est à toi de lancer le couteau. Merci. D'ailleurs, on parlera de cette histoire de carottes et de stagiaires. Oh non, non, mais pas les stagiaires, enfin. Non, mais ça, je peux justifier, mais là, quand même, elle a des parents. Non, mais lancer un couteau. C'est le jeu. Quel jeu? Quoi, ça aide la science? Ça, c'est pour nous détendre. Mais en vrai, ça nous détend. Il y a la cible détend. Juste là. Elle est vachement détendue, elle. Alors, toi, tu râles quand on s'amuse. Tu râles quand on travaille. Enfin, en fait, quand est-ce que t'es heureux, mec? Tu râles quand il fait froid. Je vais lui donner un petit médicament. Attention aux étiquettes, hein. Elle lui va? C'est bon, c'est tout étiqueté, t'inquiète. Tu peux pas te tromper. Oh, d'ailleurs, j'aimerais qu'on s'en souvienne, mais parmi les fioles, il y a le virus, hein. Ouais, non, parce que moi, j'oublie vite. Vous, professeur, vous n'oubliez pas tant que ça finalement. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Car mon âge, je me souviens encore de tout. Nous aussi, on se rappelle de tout. Hein. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'une seule pièce ici. Oui, bah on le sait, arrêtez de faire le faillot. Quel faillot celui-là? Ouais, c'est incroyable. C'est ta spécialité? Bah oui, tu sais bien que c'est moi qui l'ai fait, les buvards. Forcément, c'est ma spécialité. Au nom de la science. Au nom de la science. Professeur. Oui, un peu comme... C'est une petite odeur de... De gaz. Oui, de gaz. C'est ça, j'aurais dû le savoir. Ah, c'est dans un bébé. Oui, je reconnais... J'ai chaud. Je vais aller me promener dehors. Ah, il fait tellement froid. Changement de température, choc thermique. Il a pas pris sa veste, imbécile. Faut se mouiller la nuque quand on sort. Je dis toujours. Et pas avant 15h. Sinon, irrocution. Eh oui. Je vous alarme pas, je vous dis ça en tout stress. Il y en a que les trois qui restent. Ah oui. Eh ben, c'est une bonne nouvelle, ça. Rapport à l'expression jamais 203. Non, ouais. Ça marche pas, ça marche pas. Ouais, sans stress, on est les trois qui restent. Ah oui, pour la rime. Bon. On y va? On regarde ce virus? Comment tu veux tous les ouvrir pour voir lequel est le virus? Non, c'est celui-là, j'en suis sûre.
Et voilà. Il y a un protocole pour Ebola? Ouais, juste là. Ouh, j'ai l'impression que j'ai fait une contre-performance. Ça devait pas être ça le protocole. Ça fait quoi Ebola déjà? Des irritations? Bah non. C'était pas Ebola alors? Attends, bouge pas, j'ai quelque chose pour toi. T'inquiète pas, tu vas pas mourir. Non, tu meurs pas, t'inquiète pas. Ah oui? Tout va mieux là. Ah oui, tout va mieux. Tiens. Je taquicarde un peu quand même. Non. Si, je t'assure. Ah non. Si, ça taquicarde fort. Non. Mais arrête de me serrer le cou comme ça. Ah non. Si, j'ai mal. Non, absolument pas. J'ai très mal. Non. Sinon, je souffre. Lâche-moi. Là, je suis tout bleu. Non, t'as raison, je me sens mieux. Attends, ça passe, je vais juste m'asseoir 3 minutes. Je connais un petit exercice de respiration qui me met bien à l'aise d'habitude. Protocole de destruction 3. Oh là, je me sens un peu nauséeux. 1. Explosion. C'est la piccolina qui va aller dans le public, non? Elle voit très bien avec son bonnet, hein. Ok, va, prends ton... Oh, Matteo, tu l'écoutes ces pizzas ou quoi, là? Eh ben, j'ai fait tout, j'ai fait les stages. Tu dis qu'il faut pas qu'il prenne le téléphone, et toi tu as le téléphone! Mais c'est parce que... Calme-toi, Mario. Calme-toi. Je suis tellement stressé. Ah, tu entends une petite voix dans le fond là? Oui. Et attends, prends la commande. Prends la pizza. La pizza. Mais jamais elles sortent du four les pizzas, non? Les cartons à côté. C'est une technique de cuisson. Une andalouse. Andalouse. Ah, le soleil. Ça, c'est la telenovela. C'est une histoire romantique, mais un peu stupide, no? Oh, je la prego. Et alors, s'il vous plaît, 3, 2, 1. Ah, toi, dove? Ok, on a raté le départ. On va vous demander, on est dans un endroit spécial dans le monde où ça se passe, cette histoire romantique, non? En Ukraine. En Ukraine, pendant la guerre, ok? On est dans la guerre en Ukraine, ok? C'est quoi? C'est le public qui la décide. C'est la femme d'Hugo, je peux rien dire. C'est sa femme. Si je dis c'est pas une bonne idée, après il vient et dit: ah, Mathieu, toujours tu dis ma femme n'est pas une bonne idée. Tu dis ça le matin du boulot. Ok, ça démarre donc. 3, 2, 1, impro! Mon fils, avant que tu partes à la guerre, je dois te donner une recommandation. Là-bas, il y a de fortes chances que tu croises un jeune homme qui te ressemble, trait pour trait. J'aurais vraiment beaucoup de chance de le trouver. Tu le trouveras. Lui te trouvera, car il t'en veut. Mais pourquoi m'en voudrait-il? Parce qu'il est le fils de la tante de ton oncle Antonio, celle avec qui j'ai couché après avoir quitté Marcella, ta mère, la sœur de ton frère. Alors pourquoi m'en voudrait-il à moi? Et pas à toi, tout simplement. Parce que c'est avec toi que j'aurais dû faire cet enfant, il ne l'a pas supporté. Enfin, c'est évident. On a voulu Roberto, pas à la guerre. Non. Ma, tu vas avoir du whisky. Je ne peux le supporter. Roberto, comment je vais faire si je n'ai plus toi pour coucher et que le voisin aussi part à la guerre? Avec qui je vais coucher maintenant? Peut-être Marcello, le jardinier. Non, pas Marcello. Marcello est trop gros. Oui. Tu rebondirais. Dis donc, Tatiana. J'ai discuté avec le jardinier. Ce n'est pas parce que tu es le père de mon mari que tu es mon père dorénavant. Effectivement, je n'avais aucun doute là-dessus. Alors le jardinier, il fait son jardin et toi, occupe-toi de tes salades. Il ne fait pas que son jardin, il va aussi débrousser à droite et à gauche.
Et il manie plutôt bien le sécateur, à ce qu'on m'a dit. Lonzo, de quoi m'accuses-tu exactement? C'est fou, Tatiana, cet accent sud-américain qui te reprend quand nous parlons de choses de l'amour. C'est parce que tu me mets en tension. Je te mets en tension, Tatiana. Enfin, tu es la sœur de ma tante Ingrid, je ne peux pas. Nous ne pouvons pas, Tatiana, non. Non, non. Ne recommence pas. Non, Tatiana. Lonzo. Non. Tatiana, non, mais oui, un peu. Tatiana. Non, j'aime quand tu fais le sévère comme ça. Je ne dois pas faire ça au mari de ton père. Le père du mari. Tu n'es pas le mari de mon père. Tu es le père de mon mari. Alors, tu veux dire que tout est possible entre toi et moi? Oh mon Dieu. C'est une société idéale, pas vraiment. Je suis revenu en la guerre. Roberto. J'ai tellement souffert là-bas. J'ai vu des choses. Pas un homme ne devrait voir. Mais ce que je viens de voir là à l'instant. Je suis revenue de la guerre. Oh mon Dieu. Qui aurait cru que mon mari et le voisin reviendraient en même temps? J'ai vu des choses à la guerre, mais là. Je leur ai déjà dit ça. Peut-on vous dire quelque chose? Votre mère est le mari de son père. Il faut leur dire, ne tournons pas autour du borch. Moi, je dis des choses aussi ou je retourne tailler la haie? Non, je vais retourner tailler la haie. Non, reste. Toi aussi, tu es concerné. Maintenant. Tu es concerné par l'héritage. L'héritage. Chacun aura sa part. Même moi? Tout devait me revenir à moi. Même toi, vous êtes tous le père du mari et la femme de votre nièce. Je les crois. Vous vous souvenez quand nous sommes partis ensemble à Acapulco pour cette vacance, quand votre tante Ingrid a pris cet accent ridicule qu'elle n'a plus perdu depuis? J'aurais jamais dû faire le jardin à Acapulco. Si, tu l'as très bien fait, le jardin. Ta mère a été très contente pendant plusieurs jours. Simplement, nous sommes allés trop loin et vous êtes là maintenant, aujourd'hui. Et bientôt, eh bien, notre empire sera à vous trois. Mais tant que je serai vivant, jamais. C'est pour ça que je vais me retourner et me servir un whisky en vous tournant le dos. Quelle intensité dans ce servage de whisky! Et si nous prenions un poignard et que nous le poignardons tous les trois ensemble? Faisons cela. Je vais utiliser mes ciseaux. Comme c'est long, je vais prendre un deuxième whisky et le mélanger. Et prendre de l'eau. Ça ne se fait jamais. Ah! Non! Qui a fait ça? À moi, il y a l'effet parce qu'on l'a demandé. On ne saura jamais. Effectivement, c'est moi qui l'avais demandé. Ah, toi, la nièce de la sœur de la femme de mon père, du mari de mon frère, de mon... Et maintenant, je vais pouvoir régner sur l'empire Abbott. On va découper la pizzeria en quatre. Il va y avoir une partie devant à gauche, une partie devant à droite, une partie derrière à gauche, une partie derrière à droite. Et dans chaque zone de la pizzeria, il va y avoir un sentiment. Un humor. Un sentiment, c'est plus facile. Et dès que nous serons dans cette zone, nous devrons avoir ce sentiment. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, vous comprendrez que toujours. Alors, je voulais un sentiment pour cette zone ici. L'amour. L'amour, oh, ici. L'amour, l'amour. Un sentiment très différent ici. La colère, si. Oh, je suis en colère, là. C'est bien fait. C'est excellent.
Ici, c'est quoi les... La fierté. Ah, j'ai fait des choses un peu plus... La fierté. Le mépris. Si, l'amour, le mépris, la colère. Et là, on a quoi? Quelque chose de positif. L'admiration. Alors, il répète. Ici, c'est l'admiration. Ici, c'est le mépris. Ici, c'est l'amour. Et ici, c'est la colère. Et c'est parti. Et il faudrait deux comédiens sur scène. Ok. Et je voudrais que vous nous disiez quelle est leur relation entre les deux, non? Qui sont l'un pour l'autre? L'amour. Frère, ok. Vous êtes frère et sœur, non? Ok. Jumeaux. On peut rappeler ce que ici c'est l'amour et la colère. Ça démarre et donc montrez bien dans quelle zone vous êtes. Si les enfants, vous pouvez reculer d'eau un paquito. Et ça commence dans 3, 2, 1, impro. Il t'a bien réussi. T'es vraiment son plus grand succès. Je sais pas ce qui pourrait lui faire plus plaisir que toi. J'aimais beaucoup. Surtout le vendredi, on regardait le film. Alors toi, c'est que t'es encore né, mais bon. Parle plus fort. Voilà. C'est dommage pour toi. C'est dommage pour moi que quoi? Que j'étais pas là quand vous regardiez des films ensemble? C'est ça? C'est ça qui est dommage pour moi? Ça t'amuse? Ça t'amuse de m'humilier comme ça? Le jour de l'anniversaire de papa? Non mais... C'est cool, t'inquiète pas, on pourra en refaire ce soir par exemple. Enfin... T'as toujours su trouver les mots pour me parler. Ça se passe bien avec Jonathan? Bagne. Vraiment, je t'aime à fond, je suis vraiment super contente que tu sois ma copine quand tu vois tes... Enfin, moi je suis super contente qu'on t'entende, quoi. Non mais tu vois, parce qu'en fait, moi je sais que t'étais avec Mila hier. Enfin, je vais t'expliquer. Enfin, voilà, je te raconterai. Ah ouais, ça c'est du vrai amour, ça c'est sûr. Vous êtes bientôt mariés, je pense. Je l'aime aussi. Je vous aime tous. J'aime la vie, quoi. Ah là, je peux me dire ton petit dessin, franchement. Moi, il y a des gens que j'admire pas du tout, mais... Moi, oui. Oh, j'ai tellement de chance. Tu veux un petit thé? Je veux bien. J'adore quand tu fais le thé. Putain, y'a plus de thé! T'en as pas acheté! Je vais te tuer! Attends, mais là t'as pas intérêt, hein! J'ai pas intérêt à quoi? À tuer! Et qu'est-ce que tu prends une fois que tu seras mort? Hein? Tu penses à comment? Hein? Et bien je t'entrerai! Non mais attends, t'es ton frère, tu peux pas le laisser te parler comme ça, hein. Si c'est vrai ce que tu me racontes, tu peux pas lui dire quoi, moi je peux te défendre si tu veux. Non mais, tu comprends pas, en fait, ce que tu comprends pas, c'est que là, nous, on est plus ensemble, en fait. Mais attends, on est toujours, Non, justement, Jonathan, c'est ça que je te dis, c'est plus... Ah ouais, j'ai compris, ouais. Ouais. Ouais, je reste là? Non, si tu t'en vas, ça me va mieux. Oh, le vent, quoi. Ouais. C'est trop bien que tu te sois séparé de ma sœur. Moi, je l'aime grave. Je crois qu'il y a un truc dans les gens de votre famille où... Enfin, tu es in love, quoi. Mais moi aussi. Si on se mariait, ouais. Si on avait des enfants. Oh, c'est bravo!
Ok, ok, alors ça avance, ça avance. Quelqu'un a choisi les poupées. Une royale. Oh là là, une royale à la manière de Molière. Si je ne vais pas la jouer, c'est dommage. Ok, donc on est sur à la manière de Molière. Et ça se passe dans un... Peut-être le public, il va demain, il va dire quelque chose. Oui, mais je réfléchis à ma question déjà. qu'est-ce que ce serait intéressant, un personnage de Molière, un classique de Molière, un métier, le métier de votre grand-père. Ah, quelqu'un peut le réveiller avec une petite tache de sommeil. Oui, votre grand-père construisait des chars. Ok, on est dans une histoire de trafic de charrettes. Ok, il y a une charrette, elle est partie pour apporter quelque chose, elle n'est pas arrivée, c'est bizarre, il y a peut-être quelque chose là-dessus, d'accord? Et ça commence dans 3, 2, 1, impro! Ah, Constantin, je suis heureux de te voir! Car. Tu comprends, je suis dans un grand désespoir. Tu as l'air désespéré, en effet, mon ami. Conte-moi. Je t'écoute. Eh bien, sais-tu que cette ville contient beaucoup de chars? Cette ville, dis-tu? Les charrettes où tu parles? Cette chose que tu tues à moi. Il faut que tu parles. Oui, c'est ce que j'essaye de faire. Je t'interromps, c'est ça? Que tu es difficile. Constantin, mon bras droit, mon fidèle bras droit, tu es un garçon gentil, mais malheureusement, tu n'es pas très adroit. Vois-tu, notre commerce va mal. Parce que tu fais n'importe quoi et tu jettes tous nos chars dans le chenal. Ce n'était pas moi, enfin. Père, oui, on m'a dit que vous m'aviez trouvé un époux. Oh oui, il t'attend au palais royal. Je m'en vais directement. Viendrez-vous avec moi? Oh, toujours. Merci. Comment, père? Ma sœur, vous lui avez trouvé un époux? Oui. Et moi donc? Le monsieur qui vend les charrettes est très bien aussi. Un époux royal pour ma sœur. Et moi, quelqu'un qui est mal. Mal? Mal? Père. Je ne trouve point mes mots à ce moment même, mais vous me le paierez. Bourgandine. Oui, madame. Mon père m'a trouvé un époux. Un époux, vous dites? Et j'aimerais tester ça, son amour. Oh, quelle charmante idée. Vous allez vous faire passer pour moi. Pour vous? Pour moi. Pour vous? Pour moi. Pour vous? Pour moi. Pour moi? Oui, avec moi. Avec votre tunique. Évidemment. La plus belle de l'erreur, regardez celle-ci. Celle d'or et d'acier. Elle sera parfaite. J'ai l'impression qu'elle me va mieux qu'à vous. N'exagérez pas, Bourgandine. Ok, je n'exagère pas. Très bien. Je vais... Allez, nous allons dans la chariote. Je pourrais passer devant? Évidemment, vous êtes moi. Je serai derrière. Allons dans votre chariote. Dans ma chariote, que dis-je? Père sera dans la chariote suivante. Semble votre nation. Cette belle nation est bel et bien ma destination. Rivrich. Et oui donc,
Par quelle direction? Toqué. Peut-être que le bonnet vous ouvrira. Mais enfin, tu es sûr? Enfin, moi et une femme? Oui, peut-être qu'elle t'apprendra les manières un petit peu et que ça te fera faire moins de bêtises. C'est toi que je soupçonne que ce sera le drame. Ouvre donc, j'en ai marre d'attendre. Il y aura bien un gentilhomme qui ouvrira à notre roi. Un gentilhomme peut-être pas, mais ce bonnet peut-être. Monsieur? Qui est à ma porte? Mais c'est le roi, enfin! C'est le roi! Monsieur le roi? Qui est à ma porte et que me voulez-vous? Qui est cette personne que vous souhaitez me présenter? Je veux que vous épousiez ma fille. Oh mon Dieu! Mais tu dis oui! C'est une femme? Oui! Messire! Oui, messire, monsieur! Oui, messire! Soit je l'épouserai. Madame arrive! Ah. Voilée, évidemment! Va la voir, embrasse-la direct, c'est comme ça que ça se passe dans la cour. Rien, je m'y attelle. Je lui roulerai une pelle. Baisez-moi, mon Dieu! La main, que dis-je? Elle ne voulait pas. Insistez, mon brave! Lustre personnage, elle que voit vous êtes. Mon désarroi. Je lui embrasse les doigts. Il serait temps d'aller dans le boudoir. Comme à l'accoutumée. Ce n'est plus le bon âge. Je vais vous laisser. Allons dans le boudoir. Je vous guide, ma douce. Monsieur le roi, s'il vous plaît. C'est quoi le boudoir? Normalement, quand elle rentre dans son antre, c'est là qu'il commence à faire de la danse du ventre. Vous êtes sûr? Mais quel talent! Vous avez appris ça dans les pays musulmans? Oui, c'est là-bas que j'ai été formé. Je faisais des charrettes tout en dansant du ventre lorsque je m'embête. Alors, racontez-moi tout! Il m'a tout dit. Il m'a dévoilé tous ses secrets. Ses danses du ventre! Et. Ses danses du ventre? Ses danses du ventre. Oh, c'est intéressant. Il a l'air très souple. C'est intéressant, c'est un bon point. Il m'a raconté ses histoires de charrettes. C'est une métaphore? Oui. Eh bien, allez-y, développez. Je t'assure, mes danses orientales l'ont rendu animal. Oh, mon oreille, elle a croqué. Et le reste, je ne compte pas. Me le dévoiler? Oui, c'était cette rime que je cherchais. Je ne comptais pas te le dévoiler. Mais qu'avez-vous? Qu'avez-vous donc fait de plus? Il y avait des baisers. Il y avait de la tendresse. Je suis outrée. Bourgandine, vous avez dépassé les bornes. Je vous avais bien dit que cette robe m'allait mieux qu'à vous. Ok, ah, c'est qui le prochain Piccioli? Allez, en plus on approche de la fin du spectacle, je pense. Non, c'est peut-être l'avant-dernière. Je sais pas, qui c'est qui est dans le fond là? Qui je suis là, moi. Bien sûr, on va demander ici. Tu as déjà demandé ta pizza, toi, tu as fait le chat. Tu as fait du bâton toute la journée. Alors, qu'est-ce que tu vas manger? Est-ce que tu veux un supplément sauce piquante? Et qu'est-ce que ça de piquante toi? Eh non, elle est est-ce que tu es sous libre? Non, elle est pizza la capricciosa, c'est la pizza che è triste. Allora non ha pas besoin de mettre de piment. Et si tu voulais. Allora, c'est une histoire che è triste. Mais qu'elle est un peu... Triste. Pimenté, caliente. Si, débrouillez-vous avec ça. Achmillon, il est roi. Alors, il faut être triste, mais un peu choqué même à la fin. Et ça, tu veux qu'elle se passe où, cette pizza? En Australie. Allez, 3, 2, 1,
On n'y arrive plus avec ta mère. On essaye mon gamin, mais on n'y arrive pas. D'ailleurs ta mère, regarde. Franchement, j'ai vu kangourou plus sexy quoi. Va lui dire, moi je peux pas, mais. Tu veux dire qu'il faut qu'elle reparte dans son village, quoi. Si seulement je pouvais. Comment ça? Tu peux pas dire à ta mère de se barrer? Attends, elle a toujours fait ça dans la famille. C'est la troisième que tu vois passer, c'est bon. Tu vas la voir, tu lui dis, maman, c'est fini, dégage. Ah, mon petit. Mon petit, je t'aime tant. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Rien. Parle, n'aie peur de rien me dire. Tu veux un thé? Oui. C'est bon? Je peux pas le faire, je... Tiens, prends un peu, ça te donnera du courage. Franchement, c'est la première fois que tu dégages une nana de ton... ta maison. C'est un moment important dans la vie d'un Australien, tu sais. C'est là que tu te construis, c'est là que tu deviens un homme. Un dur de dur, regarde. Tu vois, déjà tu bois de la bière, c'est bien. Déjà tu couches avec ta sœur, c'est bien. Tout ça, c'est bien. T'es sur la bonne voie. Alors aujourd'hui, ne me déçois pas, ok? Mais arrête avec ce sourire niaiseux, là. On sourit pas. Bon sang, vit dans le bouche. À 3000 km du premier village, faut apprendre à se débrouiller tout seul. Alors on vire nos femmes nous-mêmes. Allez, vas-y! Je peux même pas le faire moi-même. Mon petit, quelles horreurs t'a encore dit ton père? Tu vois, près de l'Afrique, il y a un beau village. Oui. Tu pourrais visiter. Et puis, si tu veux bien. Ah! C'est vraiment ce que je souhaite? Non, c'est pour faire le fond. C'était une proposition pour faire un voyage à deux. Est-ce que c'est ton père qui place ces terribles paroles dans ta bouche? Non! Est-ce que c'est ton père qui t'a fait boire de la bière? Non! Si? Non. Je le sens! Tu ne peux pas me le cacher! Ah, merci, Jumpy! Génial! Oh, c'était bon, hein. Ils sont forts, les kangourous. Oh, mon Dieu. T'es encore là, toi? Attends, Jumpy, te marre pas, tu vas prendre ma femme. Ah ouais? Eh ouais. Tu me vires? Ouais. Allez, monte sur Jumpy et dégage, ok? Non. Avec ton fils, on a décidé qu'il était temps que tu te barres. Ton fils? Il répète tout ce que tu veux lui dire. Il répète tout ce que tu lui dis de dire. Il répète ce que tu lui dis, quoi. Tu vois, pour que j'aille, tu te barres. C'est pareil au lit, c'est pareil partout. Ta bouffe est dégueulasse, la baise est nulle. Franchement, à regarder, c'est un cauchemar. Alors vas-y, même Jumpy, il est parti. Tu veux que ton fils devienne un homme ou pas? Je veux que mon fils, il devienne quelqu'un de meilleur que toi. Et toi, tu commences déjà à le faire boire de la bière? Il a quoi, ce gamin? 9, 10 ans! Et tu lui fais déjà boire de la bière! Et alors? Mais il va devenir un gros con comme toi! Et tout ce qu'il fera, c'est faire du mal aux femmes! Moi? Oui, toi! Tu veux devenir un gros con comme ton père? Excuse-moi, je voulais pas te crier dessus! Tu comprends? Il faut pas que tu deviennes comme lui! C'est lui qu'on doit virer! C'est lui qui doit aller voir ce village en Afrique, aller emmerder les Africains plutôt que d'emmerder nous, là. Tu n'as pas envie que papa s'en aille? Non, tu veux pas que papa part? Je sais pas, il n'y en a plus, il n'y a pas de kangourou. Voilà. T'as fait fuir ton gosse. Tu te rends compte? Ton propre gosse veut même plus de toi. C'est pas grave, j'y vais, et puis je créerai une lignée de kangourou en Afrique. Et on sera bien sans toi. Allez, Jumpy, on y va. On y va, Jumpy. Non, mais j'ai eu le à la fin. Ah, non, 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 non,
Sinon, ok, on fait l'avant-dernière pizza, ok, celle-là, c'est l'avant-dernière. Alors, est-ce que quelqu'un a une proposition de... Très bon choix, messieurs, très bon choix, ça va nous changer un peu. Alors, une végétarienne, c'est une pizza un peu spéciale, c'est une improndie sans émotion. D'accord, donc personne ne doit montrer aucune émotion dans sa façon de parler. Ok, les comédiens, d'accord. Et du coup, je voudrais trois comédiens, deux comédiens sur scène. Deux comédiens sur scène pour commencer. Ok, 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 on a les deux blondes, ça va voler très haut. Et alors, et je voudrais savoir où elles se trouvent, où ça commence cette improvisation. À Paris, et il vient de se passer un drame dans ces, pour ces deux filles. La tour Eiffel est tombée. La tour Eiffel vient de tomber, ok. Elle vient de tomber comme ça, sans prévenir, ok. Alors que vous allez prévenir, puisque vous allez faire 3, 2, 1, impro. T'as entendu? Il paraît que la tour Eiffel est tombée. Ouais, je trouve ça incroyable. T'as vu, c'est génial, hein. C'est totalement dingue. Franchement, quand j'ai vu ça devant ma télé, j'étais complètement outrée. Ah. Ah bah tiens, viens les flics. La fermeture des portes dans 3 secondes. Je peux avoir vos papiers, s'il vous plaît. Oui, madame. Moi, je suis... pas spécialement pour l'idée, c'est bon. Très bien, si vous ne voulez pas tempérer, il va falloir que je vous mette les menottes. Mettez-moi les menottes. Très bien, madame n'a pas envie d'obtempérer. Je vais me mettre très fort en colère. Vous voulez vraiment que je me mette très fort en colère? Parce que très fort. Oui, je suis en colère. Je suis en colère. Je suis en colère. Et vous avez mal, là, non? Là, j'ai complètement mal. J'ai très très mal. J'ai évidemment très très mal. Ha 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 ha. Notre plan machiavélique pour faire exploser la tour Eiffel était vraiment parfait. Nous sommes désormais les rois du monde. Et surtout de Paris. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir tué 857 personnes? J'aimerais en avoir tué 858, ou peut-être 859. Tu sens ce sentiment de victoire bouillir en toi? Oh les mains! Je savais que j'allais vous trouver là! Non, un policier! Vous êtes pris au piège! Courons, courons! Vite! C'est terrible! Il court tellement vite! Il est bruyant cet appart! Je t'avais dit que les murs c'était du papier de cigarette! Tu m'as pas cru quand on l'a visité! J'ai une nouvelle absolument abominable à t'apprendre! Vas-y, je t'écoute! Dans la tour Eiffel, il y avait ta mère! Oh non, il y avait ma mère. Mais aussi ton petit chien, Croquette, celui avec la frange, qui voit pas bien quand il marche. Alors j'en déduis que je devrais me diriger vers Animalia. Pour choisir un autre chien, oui. Quelle tristesse. J'espère en tout cas qu'il aura les poils courts, car j'adore les chiens aux poils courts. Ils me mettent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup en joie, comme à présent. Voilà. Nous nous rendons, monsieur le policier, nous nous rendons. Je ne suis pas un monsieur, je suis une dame. Pardon, madame, cela ne se voyait pas. Mais vous ne pouvez pas nous arrêter. Aïe. Vous ne pouvez pas nous arrêter parce que nous avons caché d'autres bombes. Et si vous nous arrêtez, elles exploseront. Qu'est-ce que vous dites? Vous ne pouvez pas nous arrêter, parce que nous avons caché aussi d'autres bombes. Et si vous nous arrêtez, elles exploseront. Non, j'avais compris. Ah, pardon. Je saigne de la tête. Oui, c'est normal. Je suis hémophile. Ah, mon frère est hémophile. Eh bien, il va mourir. C'est vraiment pas ma journée. Si vous nous aidez à l'emmener dans un hôpital, je vous dirai où sont cachées les bombes. Et personne d'autre ne mourra aujourd'hui. En parlant d'hôpital, j'ai oublié de te dire. Qu'est-ce que tu m'as dit? Ton médecin a appelé. Ah. Tu as le cancer? Ah. Oh mon Dieu! Décidément, c'est une mauvaise journée. Oh, c'est brave! Alors, ça va être l'heure de la dernière improvisation. Alors, vous pouvez tous faire. Mais alors, la dernière improvisation, ça va être un peu particulier. On va faire un café gourmand, non? Donc, on a Julien qui est actuellement à la musique.
qui nous a préparé pendant l'improvisation des petites surprises, non? Donc, on va jouer une improvisation normale, c'est-à-dire excellente. Et Julien, il va nous rajouter des petits défis à faire pendant l'improvisation, d'accord? Vous êtes prêts? Il va les dire avec sa bouche. Il va les dire avec sa bouche, avec quoi voudrais-tu qu'il les dise? Eh ben, je sais pas, il est plein de surprises. Non, pas à ces points-là, non. Ok, donc Julien, il est là. Et tu vas les dire avec ta bouche, Julien? Oui. Ok, ok, je préfère. Si. Et pour démarrer l'improvisation, on va choisir monsieur un objet. Mais non, mais pas demander aux autres. Oh, ça va, c'est quoi, c'est quoi? Ouais, si. C'est vrai, mais désolé, il a mais un visage. Arrête de mettre les gens de premier rang. Madame, donnez-moi un objet qui vous fait peur. Regardez votre fille derrière. Aïe, aïe, regardez sa fille derrière. Ah ben sa fille, peut-être. C'est pas sa fille, aïe, aïe, aïe. Mais tout le monde regarde sa fille. Une hache, ok. Madame, un endroit que vous voudriez visiter avant de mourir. Les Machu Picchu. Eh ben dépêchez-vous, madame, parce qu'on sait jamais ça pourra arriver. Je démarre chez un vendeur de hache au pied du Machu Picchu. Ok, vous débrouillez avec ça. Ça démarre dans... 3, 2, 1, il est prêt. Une hache? Ouais. Pour 800 francs. D'accord, mais moi je veux celle, la grosse là-bas qui vient. Non, elle est pour moi celle-là. Je l'ai réservée sur Airbnb. Je devrais faire un battle. Oui, monsieur. Un battle de hache, pas de problème. Je fais pas un péruvien à mettre 12 qui va m'emmerder. Ladies and gentlemen, welcome tonight for the big show. Le défi entre Simon, la hache magique, et Fernando, le bourreau de Séville. Ben battez-vous, mon Dieu. Ben, je sais pas, il me tourne le dos. Ça va être trop facile. Tu l'as vu hier? C'était terrible. Il l'a découpé. Oh, tellement de morceaux que je n'arrivais plus à compter. J'ai envie de voir des personnes qui s'embrassent. Oh. Cet homme est un bourreau, mais... Un bourreau des cœurs comme toi. Moi, ça me rappelle notre première soirée quand tu m'avais découpé en deux. Oh. Et moi, tu m'as fendu le cœur en 1000 morceaux. Oh là là. Oh, oui. Oh. Et un secret, il est révélé. Je suis désolé, monsieur l'arbitre. Je me suis un peu emporté hier, mais... La hache était un peu trop bien aiguisée, il faut que je vous dise quelque chose. En fait, c'est ma grand-mère qui prépare les haches et elle les a taillées beaucoup, beaucoup plus fin que ce qui est autorisé. Regardez par exemple. Elle était truquée. Elle était truquée. Bah oui, elle était truquée. Bah oui, elle était truquée. Oui, elle était truquée. Elle était... Je voudrais voir comment la grand-mère a aiguisé ce couteau. Alors. C'est donc la salive ton secret? Oui. Et quand tu me craches dessus, c'est pourquoi alors? Oh. Ensuite, tu prends la main d'une personne, et là... J'aimerais qu'il arrête de crier et que quelqu'un me réexplique la scène. À la manière d'un journaliste. Tout s'est passé à 16h15. Marie-Monique était dans sa cuisine avec son petit-fils, Julien. Elle aiguisait la hache, comme d'habitude. Une hache de marque Berkinson. Oui, c'est exact, Thierry. Je suis en direct dans la cuisine. Et nous pouvons voir un très bel aiguisage de hache. Sous mes yeux. Elle tourne et elle retourne la lame. C'est vraiment incroyable. Je pense qu'il faudrait une page de réclame avec un peu de pub. Mais tout de suite, la pub. La pub. Alors aujourd'hui, on parle du cerveau. Nous vendons des personnes qui vous énervent. Oh là là, je me sens bien, je suis bien dans ma peau, personne n'est là pour m'énerver. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Monsieur, il y a quelqu'un. Si je l'attrape, je dis gobe. Quel ego, mais qui m'a foutu ça? Je voudrais voir un ralenti de 20 secondes. Monsieur l'arbitre, inutile de vous interposer. Merde, papa, pourquoi?
viens là, toi, que je te découpe. Et une autre coupure pub. Oh. Vous avez des problèmes d'hémorroïdes? Regardez Jean-Pascal. Depuis qu'il utilise Tony Gencive, il peut s'asseoir sereinement. Je vois la même chose à l'époque de la Rome antique. Une pub? La plèbe! Vous avez des problèmes? Oui! Pour vous asseoir! Aïe aïe aïe! Ça vous brûle! Ouais. Ça me brûle! Vous avez l'impression que l'Empire se meurt quand vous vous asseyez! Grâce à cette pierre ponce, vous ne souffrirez plus! Et vous vous asseyez comme César lui-même s'est assis sur la Gaule! Alors achetez la pierre ponce Pilate! Oui, on reprend l'histoire. Eh ben oui. Monsieur, le magasin est fermé à cause de... Non, je voulais rendre ma hache. Je fais trop de bêtises avec. D'accord. Je l'ai nettoyé avec ma grand-mère. Oh. Faites attention et merci beaucoup, mais je préfère pas continuer dans cette voie-là. Ça a réveillé en moi des trucs terribles. Du coup, monsieur... Je me suis excusé déjà 10 fois. Arrêtez avec votre bras que vous montrez à tout le monde. Ça va. J'aimerais savoir ce qui se passe dans un an. Oh, monsieur Fernandez! Comme on est content de vous retrouver! Nous avons des nouveautés! C'est vrai? Oui! C'est beaucoup plus pratique, c'est moins coupant! C'est un fusil à pompe! Ouais, dites donc, avec ça, ça va être vachement rapide! Ah, vous évitez tous les accidents! Regardez, il y a une sécurité! Hop, il suffit de l'enlever! Pour immédiatement! Tu lui as donné les bombes? Ah, les bombes! Excusez-moi, j'aimerais un changement des personnages dans le sens des aiguilles d'une montre! Une bombe, bien sûr, monsieur Fernandez. Il y avait cette bombe à mettre dans le canon, j'imagine, hein, c'est ça? Non, c'est à lancer, bien sûr. Ah, c'est lancé. Il suffit de la... Voilà, faites comme ça, jetez-la par la fenêtre, sinon nous allons tous mourir. Voilà. Tu as donné la bombe à l'enfant? Oui. Ah non, c'est pas moi cette fois. C'est vous, hein. C'est vous, monsieur Fernandez. Oh. Je pense qu'on peut faire 30 secondes de silence. Ok, on va faire un conte pour enfants. On va faire un conte pour enfants, je pense que ce serait carrément mieux, plus... Ma chérie, famille. Range ce pistolet. À la fin, le petit Ramundo, bah, il commence à monter le Machu Picchu, tu vois. Alors il monte, c'est dur, tu vois, c'est dur pour lui. Mais il a du courage, cet enfant. Il a vécu des trucs difficiles. Comme moi, papa. Comme toi, ma chérie. La mort de maman. Sa mère est morte, effectivement, dans un combat truqué. À la hache. À la hache, ma chérie, comme ta maman. Comme maman. Oui. Mais tu sais, le petit Ramundo, quand il est arrivé en haut du Machu Picchu, eh ben, il s'est senti un homme neuf. Il avait grandi déjà, il était devenu grand. Pas si beau, mais grand. Et il a senti en lui une force nouvelle qui naissait. Il avait un nouveau pistolet. Il avait un nouveau pistolet. Et là, du coup... Eh ben, il est redescendu, tu vois, il est redescendu avec son nouveau pistolet, et puis il est allé voir son père, et puis là, il a dit à son père, la plus belle des choses qu'un fils puisse dire à son père, il lui a dit, au revoir, papa. Est-ce que tu es en train d'essayer de me virer de la maison, papa, en me racontant une histoire? Mais non, c'est moi, ton père. Ben, je sais, justement. Est-ce que tu voudrais que moi, je te dise au revoir? Non. Non, tu n'as pas compris la morale, c'est que il faut toujours que tu te sentes prête à dire à ton père tout ce que tu veux. Et ton père sera toujours là pour toi. Et même s'il se passe des choses dures dans la vie, même si ta maman, elle découpe
quelqu'un que tu connais en petits morceaux. Même si des fois, il y a des gens qui essayent de t'embrasser quand tu veux pas. Eh ben, il faut regarder la vie du bon côté. Et prendre son pistolet. Et dire à papa... Au revoir, papa. Ok! Mais c'est de l'impro, donc c'est normal. J'espère que ça a été un spectacle agréable pour vous. Nous, on s'est bien amusé. Merci à plein de monde. Merci à tous ceux qui nous aident aux entrées, aux bars, aux repas, aux boissons. Des gens payants, merci à tous. Merci à Julien, à la musique. Merci beaucoup, Julien. Je sais pas où il est. Il est là, quelque part. Il est là, Julien. Merci à Laurent pour lumière. On avait plein de monde sur scène, on avait du talent, on avait Oriane, on avait Johanna, on avait Pancho, on avait Martin, on avait deux petites merveilles qui nous ont rejoints ce soir et pour qui je demanderai un tonnerre d'applaudissements. C'était leur première scène internationale, donc ils avaient un peu de tension. Mais ils ont fait une école exceptionnelle puisqu'ils ont fait la claquette qui est notre école pour former les futurs qui nous enterreront dans la tombe et qui n'attendent que ça. Ah oui, j'avais oublié, on avait Hugo. Merci. Et on m'a fait ça. Ah, c'est bien. Et on avait ce soir, surtout, vraiment chanté avec Hugo. C'était d'être traité de façon humide et humiliante. On avait un public exceptionnel. Merci beaucoup. Ouais. Ouais.